sais que moi, j'étais son petit. Quel dommage, quand j'étais enfermé là. Oh, 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 oh. Si vite moi j'entendis un son dans les airs qui était confondu au son des poussins, mais qui était semblable au son que j'avais. Alléluia. C'était la mère aigle qui chantait en criant. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Alléluia. Alléluia. Sors du milieu d'eux. Mon petit, tu n'es pas de là. Là, moi, j'ai tapé mes deux ailes. Là, moi, j'ai tapé mes deux ailes. Je me suis envolé dans les airs. Depuis lors, j'ai quitté la basse-cour. J'ai quitté le monde. Depuis lors, j'ai quitté la basse-cour. Maintenant, je suis dans les airs. À manger la nourriture spirituelle, au contre venable, les messages de mon jour. Ce message m'a transformé, m'a donné une nouvelle vie que je ne menais auparavant. Alléluia. Ce message m'a transformé. Ce message m'a transformé. Quand j'étais égaré dans les péchés, dans le monde, qui pouvait me sauver? Qui pouvait me racheter? Qui pouvait me montrer la vie, le chemin du ciel? Merci pour le message. Merci pour William et Brenham. Alléluia. Merci pour ce message. Oh oh. Alléluia. C'est pourquoi je chanterai. Quelle grâce. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce Jésus m'a sauvé. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé de mon péché. Jésus m'a sauvé. Victoire, victoire, victoire. Je suis libre. Je suis libéré de tout péché. Je suis libéré de l'impudicité. Je suis libéré du vol, moi. Alléluia. Je suis libre. Alléluia. J'étais placé à la destination de l'enfer. Maintenant je le regarde dirigé vers Jésus. J'étais placé à la destination de la mort. Maintenant j'ai l'espérance de la vie éternelle. Maintenant j'ai l'espérance de la vie éternelle. Yamona emi elonga e elonga elonga nabiki sami na elonga elonga nabiki sami nabiki sami elonga elonga nabiki sami ngoluli lo batangwa elonga elonga sami elelo yamange na sabu elonga. Non, ça mérite les acclamations. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse richement le frère Jérès. Est-ce que vous pouvez encore acclamer très fort? Il a très bien chanté. Que Dieu te bénisse richement. Alors, frère John Bulko va aussi s'avancer dans 5 minutes. Acclamons pour l'encourager alors qu'il s'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse.
Alors, ok. On va faire une petite chanson. Bien que je vois les guitaristes n'est pas là, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je vais essayer pour savoir si vous avez oublié. Fa. Kebana bisimba simba. Okoya kozika papa. Lel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 e. Okoya kozika papa. Naide Archbishop Keba. Okoya kozika papa. Lel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 e. Okoya kozika papa. Matangola lala ki na lota ki keba. Okoya kozika papa. Okoya kozika papa. Fatigué d'entendre toutes ces pensées des hommes qui semblent être bonnes mais qui m'éloignent de la parole. Je suis fatigué de toutes ces bonnes idées qui détruisent mon âme en m'éloignant de ce message. Mais moi je vais entendre toujours les échos de ce message. Celle qui me donne la foi pour l'âme. Mais moi je vais entendre toujours que le frère Branham a dit. Ce sont là les mines qui enrichissent mon âme. Toutes ces promesses authentiques. Zacharie 14, Dieu est dans la chair humaine. Et même Luc 17, 30. Ce sont là mon héritage que m'a laissé, ouais bébé. Préserve-toi mon frère, et n'aie pas à toucher. Répète plutôt mot à mot, à ce valet pas de Branham. Koba qui s'appelle Kolongolate, Okoya Kozikapa, Akebana Bisimba Simba. Okoya Kozikapa, Okoya Kozikapa, Okoya Kozikapa, Okoya Okoya Kozikapa, Okoya Kozikapa, Okoya Kozikapa, Okoya Kozikapa, Okoya Kozikapa, Okoya Poussez les cris des gens. Donc, sing ici, sing ici. Balancez les bras, on y va. Comme voilà ma boca l'icolo. Go. Cher prédicateur, Ephésiens 4, si tu veux progresser dans ton ministère, très cher musicien, évêque général, si vous voulez du succès dans tout ce que vous entreprenez, alors répétez-nous toujours le message. Restez fidèle à cette parole, car ce message que vous voyez, n'est pas la pensée humaine, c'est Jésus-Christ lui-même qui confirme sa parole. Mais quel pouvoir a-t-il réussi de toucher à ce message? Préserve-toi mon frère, Okoya Kozikapamba, les années dangereusement. Okoya Kozikapamba, Okoya Kozikapamba, Archibishopeba, Okoya Kozikapamba. Okoya Kozikapamba, la ki na lota ki keba. Okoya Kozikapamba, Okoya Kozikapamba. Poussez, poussez, poussez les cris de joie. J'ai des pieds, 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 on y va. Poussez les cris de joie. Écoutez, nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes même pas au Parlement debout. Ce message n'est pas une poubelle. Ce message n'est pas une poulailler. Où tu viens prêcher, dis n'importe quoi. Où tu peux parler comme un bon te semble. Ce message nous est donné. La parole bénie du Christ. C'est cadeau venu du ciel. C'est ce que mon âme désire. Ce message nous est donné,
La parole bénie du Christ, c'est cadeau béni du ciel. C'est ce que mon âme désire, mais aussi mon âme a besoin de cette manne fraîche. Mon âme désire ce qui est sur les bandes, car c'est en cela qu'il y a la vie éternelle. Car c'est en cela que je suis sauvé. Alors que banabi simba simba. Oko ya kosika pamba. Oko ya kosika pamba. Ashibishokeba. Oko ya kosika pamba. Oko ya kosika pamba. Alota kikeba. Oko ya kosika pamba. Oko ya kosika pamba. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse richement le frère John Belko et son groupe. Le frère David Singh va chanter après la prédication. Alors nous acclamons pour tous les bien-aimés qui viennent de chanter. Et nous allons acclamer le roi des rois. Veuillez acclamer pour le roi des rois, alors que nous allons les louer maintenant même. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, nous allons louer le Seigneur. Dieu dit aimer un pécheur tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il dit et laisse merveilleuse. Oh, il chante en aucun merveilleux amour. Oui, que Dieu aima un pécheur tel que moi. Oh oui, que le Seigneur merveilleux. Si tu me chantes, oh quel merveilleux amour. Oh quel merveilleux amour. Oui, que Dieu aima un pécheur tel que moi. Merveilleux amour. Oh oui, écris ces dons, mais librement pour moi. Cela coûta sa mort sur le calvaire. La lame n'a pas de noble thème comme cet amour qui m'est sauvé. Alors chante au cœur, quel merveilleux amour. Oh oui, que tu aimes un pécheur tel que moi. Que laisse un merveilleux amour. Oh oui, pour un perdu, condamné comme moi. Le Père pour vie et les sauveurs pour vie. C'est le rachat pour un esclave dit. Longtemps mépris à la croix. Oh oui, okay. Oh oui, oh quel merveilleux amour. Oh oui, oh quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Oh oui, mais c'est merveilleux amour. Marchez toujours avec Jean et souris. Chemin conduisant vers les cieux. Oh, partout donne à la joie. Aux gens abandonnez-moi, remplis-moi chaque jour. Et Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours, oui, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, car
Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans le ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon. Alors remplis-moi chaque jour. Oh oui, avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, toi béni, oui. Sur la route vers le riz. Remplis-moi chaque jour. Oh oui, Jésus. Chaque jour d'amour, l'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe, avec la colombe, laisse-moi marcher, toujours. Oui, avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Mon cœur angoissé, sous les sévères de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient posé. Je criais au Seigneur qui tendrement m'amène au jour. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il m'échante à mon âme. Ce jour, s'échante des louanges. Alléluia. Oh, oui, il m'a placé près de lui, sur le rocher, mais pas sans ta ferme, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement, je tiendrai pas. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Chante à mon âme, ces jours, un chant de louange, alléluia. L'amour de Dieu est tellement si grand et l'amour prime le perfectif. Il va plus loin, la pluie aux étoiles, il atteint le libre à faire. Sous le fardeau, Dieu donna son fils prouvé. Il réconcilia son fils errant, en lui pardonna son péché. L'amour de Dieu demeurera toujours. Il est sa messie. Casse-le d'emprise pour la race d'Adam. Le chant des saints. Chantons l'amour. Si riche, si profond, insondable, c'est quoi? C'est l'amour.
fumu Yesu. Alléluia. 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 Alléluia, 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 richement acclamé pour le Seigneur Jésus.
jour jamais. Hier au jour jamais. Hier au jour jamais. Jésus ne change pas. Jésus si la guérie. Oh. Il guérit aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, merci pour ce matin. Toi, le Dieu que nous venons de louer, tu es le Dieu que nous sommes en train d'adorer ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations et les cris de joie. Nous remettons ce culte entre tes mains, que tu nous prêches alors que nous comptons sur toi. Bénis chaque cœur, chaque corps ce matin. Que les malades soient guéris dans ta présence. Que ceux qui ont des problèmes reçoivent des solutions. Nous croyons que tu es déjà ici pour faire de grandes choses. Libère l'onction, Papa. Bénis chaque personne qui est déjà arrivée ici. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Alors que nous nous remettons à toi. Pendant que nous poussons les cris de joie pour toi.
Nous crions très fort pour toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue ce matin au nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes content d'être venu dans la maison du Seigneur? Gloire à Dieu. Je voudrais, sous cette présence divine, laisser la place à l'ange du Seigneur qu'il nous prêche déjà. Les prières d'anniversaire, toute autre chose, ça viendra après. Nous nous tenons debout. Prenons Ephésiens le chapitre 1 au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons et irrépréhensibles devant lui. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki Kovanda. Est-ce que ce matin vous êtes bénis et content d'être ici? Salue un peu ton voisin. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Tu as bien fait d'être venu. Salue-le. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, il a fallu que tu sois ici. Il a fallu que tu sois ici. Amen. Amen. Est-ce que le diable a déjà échoué ce matin? Amen. Le fait seulement que tu es arrivé ici, Satan a déjà échoué. Amen. Amen. Donc, avant que je ne démarre, je voulais préciser une petite chose pour ceux qui ont le don de prophétie et tout. Nous avons déjà enseigné ici. Dieu t'a donné une vision, un message pour quelqu'un, tu n'as pas droit d'aller le lui dire. Tu dois attendre, le pasteur doit écouter ça. Nous devons juger ça sur base de la parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ce que Zalina li kabako sakola, ce que Zalina li sakoli pona moto, ko kenda ko pesa yena noté, zela o pesa ngo pana mokengeli ayoka yango bongo to ko sambisa yango na liloba na nzambe to bese ya solo to ya lokuta. J'ai enseigné ça pendant plus de 6 mois. Na la kisi li kambo na basanza moto bana kasi nekelese oyo. Rien que les 2 semaines que nous sommes arrivés ici, j'ai constaté déjà quelque chose de pas bien qui commençait à se glisser. Tu te lèves, tu pars donner la prophétie à quelqu'un et tu pars donner. Non, je n'aime pas ça. C'est du désordre. Ma poste mi balika ka otu ko kota awa na monete bobosani. Ba to zo tele matele mate, wane sali mobulu. C'est du désordre. Wane sali mobulu. Fabana me dit avant qu'un message soit donné, il faut que ça soit jugé par 2 ou 3 personnes. De ko banon le te liboso li sakoli ba pese yango moto singele sambi sa mana batumi balito pe misato. Je l'ai enseigné plus de 6 mois. Na la kisa quand j'enseignais sur la croissance d'une église locale, na la kisa ngo basanza moto ba na tonga sala ko la tsabino li kolona kokola ya ekelesa esika. Quand nous étions sur la partie sur les dons, j'ai montré comment les dons doivent être dans l'église. J'ai montré comment on peut détecter un faux don. J'ai montré comment on peut donner un message. Il y a beaucoup de choses que j'ai enseignées. Mais juste à peine vous commencez à... En tout cas, que les honorables huissiers veillent sur cette affaire-là. Je n'aime pas du désordre. Ça, c'est l'église de Dieu. Nous devons marcher selon les principes de la parole. Ici, on n'est pas chez les dénominationnels.
là où nous devons exhiber les prophéties pour attirer les gens. Non, non, ce ne sont pas les prophéties qui attirent les gens, c'est la parole de Dieu qui attire les gens. Awa to salina bibongiselite sikabala kisakabisa kolipona kobenda bato awa oyo kobenda bato salili sakolite ka se salili lobana nzambe. Commencez à prophétiser en désordre au micro tout ça pour que les gens voient qu'il y a Dieu là-bas. Non, non, Dieu c'est pas les prophéties, Dieu c'est sa parole. Amen. Amen. Et Frère Banam dit, la parole doit gérer, contrôler les dons. Ce ne sont pas les dons qui doivent contrôler la parole. Donc ne confondez pas avec certaines églises qui se disent du message, mais dont les pasteurs n'ont pas de colonne vertébrale pour recadrer les choses. Ici, le boss, c'est la parole. C'est Dieu lui-même qui doit nous contrôler. Je le répète, quand tu as un message que Dieu t'a donné sur un frère ou sur une sœur de cette église, tu parles lui dire, tu auras des problèmes avec moi. Je dois écouter ça pour voir est-ce que c'est la parole. Dieu m'a dit, tu dois aller donner des bisous au pasteur pour que tu sois délivré. Tu donnes une prophétie comme ça à quelqu'un. Déjà quand tu dis ça, vous voyez que c'est pas la parole. Il faut que quelqu'un qui a la parole puisse juger pour te dire que ça là c'est pas Dieu qui t'a montré, c'est Satan. Et je dois t'imposer les mains pour chasser les démons. Ça c'est pas l'église de ton. Ça c'est l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mon église ne s'appelle pas église de ton. C'est l'église de la parole. Quand il y a la parole, le don viendra lui-même. Vous commencez à présenter les dons avant la parole, c'est foutu. Je le répète ce soir, ce matin, pour que je ne puisse pas encore voir cette affaire-là. Notre église, c'est l'église de la parole. Quand il y a la parole, les dons viendront, amen. Et c'est la parole qui doit gérer les dons. Non, notre église, c'est l'église des dons. L'église des dons dans les messages n'existe pas. Dans le message, il n'y a que l'église de la parole. Et quand tu as la parole, les dons vont être suscités. Les gens auront des visions, des prophéties, des chansons. Beaucoup de choses vont commencer à parler, mais que ça se fasse selon les principes de quoi? De la parole. Vous voulez vous montrer au passé que vous êtes trop spirituel avec les prophéties. C'est quoi ça? Je verrai que tu es plus spirituel quand je te verrai vivre la parole. Parce que même le diable peut donner des prophéties. Mais le diable ne peut pas vivre la parole. Dit amen. Amen. Alors dis au voisin, tu as écouté. Dis-lui, tu as écouté. Tu as écouté. Ah. Dis-lui bien, tu as écouté. Tu as écouté. Amen. Alors nous déposons maintenant la parole. Ça, ça y pitoko kiti sali lobana katina bato. Ce matin, nous avançons avec le royaume mystique, le volume 20. C'est un enseignement qu'on a commencé depuis très longtemps. Dans cet enseignement, il y a beaucoup de couleurs. Et le vendredi, on a vu le volume 19. Là où le Saint-Esprit nous montrait comment ça marche dans l'église. Nous avons vu le vendredi le sujet ou l'inspiration qui était dans le volume 19 du royaume mystique.
Et le sujet, nous l'avions intitulé « Attention au premier tombeau ». Et je sais que ceux qui étaient là, ils ont été bénis. J'ai reçu plusieurs appels des États-Unis, de partout, même de nos bien-aimés ici au pays, ici en Afrique. Les gens qui m'appelaient pour dire en tout cas, pasteur, merci pour cet enseignement. En tout cas, que ça continue, ça nous fait du bien. Ça guérit nos foyers, nos maisons. En tout cas, que Dieu soit loué pour tout ça. Nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose. Et en cela, nous avons vu que la première mort est arrivée, ce n'était pas chez les politiciens. Ce n'était pas chez les païens comme vous le pensez. Mais la première mort sur la terre a été observée parmi les adorateurs. Et c'est par là qu'on a vu comment Caïn a tué son frère. Et cela s'est passé à cause de la jalousie. Et par le prophète, avec l'inspiration, nous avions fini par voir que le tombeau aujourd'hui, c'est pas seulement creuser un trou, mais c'est la jalousie que vous avez dans le cœur, la rancœur, la haine et tout, que vous avez contre votre frère ou contre votre sœur. Alors, n'oubliez pas que toute personne sur la terre a un ennemi. Tu ne peux pas vivre dans ce royaume mystique sans avoir un Caïn à côté de toi. Il y avait Abel qui était partisan du royaume mystique. À côté de lui, il y avait Caïn. Il y avait Jésus, lui-même le patron de ce royaume. À côté de lui, il y avait Judas Iscariote. Donc dans ce royaume, tu ne peux pas y vivre sans avoir une semence qui doit te combattre à côté de toi. Mais ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que la semence de Jésus finit par triompher. C'est pourquoi ce matin, je voulais un peu parler d'une manière à booster le diable dans son coin, pour que Abel puisse remporter victoire. S'il y a un Abel ce matin, qu'il me donne un grand amen. Amen. Nous allons parler, prêcher ensemble avec vous, pour booster le diable dans son coin, et qu'il te laisse la voie que tu puisses passer. Je ne sais pas s'il y a les croyants ce matin. Raison pour laquelle le sujet de ce matin, je ne suis pas venu pour te condamner. Le dimanche passé, on avait vu qui Dieu est. Et ce matin, je vais te montrer qui toi tu es. Est-ce que vous êtes présent ce matin? Je vais te montrer qui tu es ce matin et ce qui doit t'arriver. C'est pourquoi une question m'est venue à l'esprit pendant que je méditais. Tu veux écouter cette question? Amen. Qui est d'ailleurs l'inspiration de ce matin? Qui ose les zapper? Nani akomeka koko sangai tope kolongola ngai na nzela. Qui osera me zapper? Qui osera me zapper? Est-ce que tu peux le répéter très bien fort? Qui osera me zapper? Qui osera me zapper? Quel sujet de ce matin? Dala mokonzi atongo na lelo. C'est un sujet question. Ezali mokonzi ozali na lolenge ya motuna. Regarde le voisin, dis-lui qui osera me zapper? Qui osera me zapper? Dès le début, vous commencez à me déranger avec vos micros ici. Cherchez-moi un micro qui donne bien. Un micro qui donne bien.
je ne dois pas tout le temps changer de micro. Ça coupe. Alors on dit à trois personnes, qui osera me zapper? Qui osera me zapper? Qui osera me zapper? Qui osera me zapper? C'est une question qui aura une réponse ce matin. Alors en Éphésiens la Bible dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui est arrivé non pas au Congo, mais ça s'est fait quand? Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant Dieu. Je voulais encourager celui qui avait perdu l'espoir dans le christianisme. Tu es saint. Celui qui se souvient de ses péchés, il a même peur de dire amen. Je le dis encore, tu es saint. Je le répète, tu es saint. Ce n'est pas moi qui t'appelle saint, c'est Dieu lui-même qui t'appelle saint. Pour que nous soyons comment? Saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Je te dirai jusqu'à ce que tu donneras un grand amen branamique. Tu es saint. Amen. Ma soeur, tu es sainte. Amen. Ce matin, Dieu ne dit pas que toi tu iras en enfer. La prédication de ce matin ne concerne pas Caïn. Moi je crois que depuis le vendredi, ceux qui avaient de mauvaises pensées pour les autres, ils ont déjà bouté ça dehors. Et ce matin, tu es venu comme étant un saint. Shalom saint. Shalom saint. Sainte. Je veux scandaliser le diable. Tu es sans péché. Tu es sans péché. Alors le verset 5 dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'est-ce qui m'a attiré dans ce verset? Dieu dit, il nous a choisis avant la fondation du monde. Cela pour que tu voyes. Nous avons vu comment Dieu a créé 300 sextillions d'étoiles qui sont à multiplier fois 3 pour atteindre le chiffre estimatif. Nous avons vu comment il a créé des millions et des millions à l'infini des soleils. Nous avons vu comment il a créé la terre. Mais maintenant remarquez, avant que toutes ces choses soient créées, il y avait quelqu'un qui existait avant ces choses. Et c'est quelqu'un, c'est Elohim le fort. Faut madame l'appelle l'incréé. C'est lui qui vit par lui-même, qui n'a ni fin ni commencement. Mais maintenant, dans sa pensée éternelle, il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles, c'est le résultat de sa pensée qui est venue lorsqu'il est devenu le Logos. Mais dans sa pensée éternelle, dans son état éternel, il y avait déjà les êtres qui vivaient là. Et tu veux connaître ces êtres là amen. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? C'était ses enfants. Donc, tel que toi tu es, d'après la chronologie, d'après la chronologie divine,
Toi tu existais avant que la terre n'existe. J'ai dit je te montre qui tu es. Tu existais avant que le monde ne soit formé. Est-ce que je peux avancer? Même le diable a existé après toi. Oh mais voilà il s'étonne. Même le diable a existé après toi. Grâce à Mutombo. Comment le diable a existé après moi? Qui a créé le diable? Réponds. Dieu. Qui a créé le diable? Dieu. Et pendant qu'il créait le diable, toi tu étais en lui. Je ne sais pas si tu vois ça. Pendant que l'on créait le diable, toi tu étais dans le créateur. Par conséquent, même toi tu es le créateur du diable. Alléluia. Amen. Si toi tu ne le crois pas, moi je crois. Moi je suis le créateur de Satan. Alors entre le créateur et la créature, qui est boss? Qui est boss? Écoutez, écoutez. Yoka. Je ne parle pas de ton petit corps qui a été né en 1900. 1900 qui a été né en 1900. Ça c'est un corps qui est venu sur la terre au Congo. Je ne parle pas de cet homme qui a été formé dans le jardin d'Éden. Là ce sont les 16 éléments. Mais en Éden, Amen. Il y avait deux hommes. Il y avait l'homme formé qui est le... Et il y avait l'homme créé. Et celui qui est créé là, il est créé quand? Depuis la pensée éternelle. Avant que tout ce que tu vois n'existe. Toi tu existais déjà. Que quelqu'un dise j'étais déjà là. Est-ce qu'un courageux peut bien le dire? J'étais déjà là. Mais moi j'étais déjà là. Si toi ça ne te donne pas la joie, moi ça me réjouit parce que j'étais déjà là. Alors dis au voisin, moi j'étais déjà là. J'existe avant la fondation du monde. Tu es un être éternel. Tu es un être éternel. De la même manière que ton père est éternel, toi aussi tu es éternel. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Dis-le encore, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi avant tout. Avant tout. Zambé apona kinga iliposio abiloko nyonso. Moses, avant que tu ne voyes ton boubou bleu ici, Jéhovah m'avait déjà choisi. C'est pourquoi je n'ai pas cru le message par hasard. Parce que depuis la pensée de mon père, j'écoutais toutes ces citations. Raison pour laquelle, dès que je les ai écoutés sur la terre, j'ai dit ah, ça c'est une répétition. Comment tu as cru le message? Tu as assisté à la répétition. Tu as dit voilà les choses que j'écoutais déjà. C'est pourquoi croire Dieu dans la chair humaine, c'est réservé à ceux qui étaient avant la fondation du monde. Est-ce que tu crois Dieu dans la chair humaine? Comme tu le crois, sois béni. Dis au voisin, nous sommes dans le royaume mystique. Nous sommes dans le royaume mystique. Cathartise ce matin. Cathartise au penda, à co cathartiser ma cambo. Donc on a les lots.
vois d'abord l'origine du royaume mystique. Exposé de cet âge de l'église. Au point 150. Pendant qu'on le projette, je salue mon ami qui est ici. Je t'apprécie, je suis fier de toi. Salue-le de ma part. Embrasse-le de ma part. Dis-lui, c'est le pasteur qui t'embrasse. Je suis content. Acclamez pour lui. Alors écoute d'abord l'origine. L'origine du royaume mystique. Or, il est dit que. Il nous a choisi en lui. En Jésus-Christ. Après la fondation du monde. Non. Vous lisez quoi? Avant la fondation du monde. Ce qui veut dire. Que. Nous étions là, biso, to sala ki wana, avec lui, to sala ki wana longo na ye, dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Na likanisi na nzambe liboso te mokili salema. Le royaume mystique n'a pas commencé avec sublime ici. Non. Le royaume mystique a commencé quand? Avant la fondation du monde. Et ce royaume-là, c'est toi et moi. Écoutez, cela donne aux élus une qualité et une qualité éternelle. Et sope sa maman ma coquille à seco na seco. Grâce, tu m'appelles éternel. Grâce, sope nga ngaye moto na seco na seco. Et ce n'est même pas moi-même qui t'appelle comme ça. Nga itenye moto na sope nga yo boye. Le décodeur de la parole, quand il te regarde. Moto atoni sa manali lo batango sota la yo. Il dit sur toi. Asolo bete likolo la yo. En toi. Kati na yo. Il y a une qualité. Et saline ma coquille na ngala. C'est quelle qualité? Et saline ngale ndenge nini. Éternel. Ngale ya seco na seco. C'est pourquoi il faut pas me dire. Même si vous prenez un élu, vous le brisez en morceaux. Ou vous le consumez. Tu ne l'as pas fini. Même si les lions venaient et me dévoraient, je ne vois plus même pas un seul cheveu. Je ne suis pas fini. C'est impossible que je finisse. J'ai quelle qualité? Éternel. Regarde un peu celui qui est encore en train de révéler. Dis-lui, tu es éternel. Tel moto solo ta on a yebi c'est tu es éternel. Osali moto na seko na seko. Si vous me permettez une parenthèse. Ce qui est bon, c'est là là le blamo li kambo moke mo panzi boye. Même notre naissance naturelle. Atambo tama na bisa bonso to boye. Est fondée sur l'élection. Yango evandi sama likolo na bopona mina nzambe. Ici, Branham quitte la pensée de Dieu et il descend au niveau des parents. Il veut te montrer comment tu es venu sur la terre. Tu as quitté quelque part là où tu étais pour arriver dans la naissance naturel. Alors Branham va nous expliquer comment ça se passe. Branham a perçu son dimanche dernier quand il est cambo et que Salima vient d'abord. Yakana nous. Psaume 22:9. Ensemble, tu comme il va nous parler malongo à côté en Galiboa. Oui. Iyo. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Obimi sakinga et kasi na libumu na mama wa botingai. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Otia kinga na bokengi na mabele oya mama wa botingai. Il y a pas quelqu'un qui est sorti dans un arbre ici. Et Salima. Tous nous sommes sortis dans une maman. Mais maintenant écoute. Chapitre verset 12. Dès le sein maternel, j'étais sous ta garde.
Là c'est où? Wana sali wapi? Dès le sein. Où tel pour moi maman? Donc toi Dieu ne t'a pas connu quand tu as commencé à venir au sublime. Yo nzambe ayebi yote na tango bandi ko wana sublime. Le royaume mystique, les partisans, Dieu les connaît. Suivez. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ici, je voulais parler au frère Cayen. Bien-aimé, frère Cayen ou frère Cayen. Tu combats cet homme en vain. Dieu l'a connu avant que toi tu le voyes. Dieu lui me dit dès le sein maternel, j'ai été sous ta. Ce qui veut dire le poison que toi tu amènes en 2022, tu viens en retard. Je suis sous la garde de l'Éternel avant que mon véhicule ne suscite la jalousie dans ton cœur. Et je t'informe, si depuis le sein maternel il prenait soin de moi, que dire de maintenant? Que dire de maintenant où il sait que je lui paye la dîme? Que dire de maintenant où il sait que je donne mon offrande? Que dire de maintenant où je prie en son nom? Quelle prière tu avais fait dans le sein de ta mère pour que tu sois gardé? Quel jeûne tu avais fait avant que tu ne sois né pour que Dieu te protège dans le ventre de ta mère? Parmi vous, il y a ceux qui sont nés par césarienne. Parmi vous, il y a ceux qui sont nés au village sans une bonne maternité. Moi-même qui vous parle, un vrai villageois. Qui est celui qui m'a protégé? C'est le Dieu de Branham. De laisser maternel. Dieu disait aux sorciers de la famille, attention, cette grossesse ne touchait pas. C'est le pasteur de sublime tabernacle. Cette grossesse ne touchait pas. C'est le croyant de sublime tabernacle. Comme il n'a pas encore écouté grâce les prêcheurs, même si vous attaquez la grossesse, il ne mourra pas. Tu sais pourquoi tu es ici? Je t'avais déjà vu que tu seras ici ce matin. Raison pour laquelle, même si ta maman voulait enlever ta grossesse, elle était incapable de te tuer. Pourquoi? Il est celui qui garde. De quoi? De le sein maternel. C'est pourquoi moi je crois, si les sorcières n'ont pas pu te bouffer depuis le sein maternel, même maintenant, même maintenant, que tu pries beaucoup ou pas, même maintenant, il n'y a aucun sorcier, aucun magicien qui peut te toucher. Pourquoi? Tu es notre Éternel. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, impossible, impossible que je sois bouffé, que je sois bouffé par un magicien, par un magicien. Et quoi qu'il soit, le matin de moto la qui s'allie en gaï un coup diable, papa balia kangaïté imbouffable et ça la moto ta coco kakoli en gaï un coup diable indiamable ou nous tête nous coutons menu moumouche. Moi, répète encore. Ou toi, tu es immangeable. Ce qui est immangeable, il y a une prophétie qui a dit, les sorciers ont décidé, quel sorcier devant celui qui a la qualité éternelle? Quel sorcier devant celui qui a été choisi avant que le monde ne soit formé? Quel
S'ils peuvent manger les gens, mais pour vous, impossible. 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 Tes enfants, on ne peut pas les bouffer. Dans ton mariage, on ne peut pas les bouffer. L'Éternel te garde. Depuis le sein de ta maman. Je vais écouter amen trois fois. Amen, amen, amen. Deux voisins, ce matin ça va chauffer. Ce matin ça va chauffer. Catartizo va catartiser ce matin. Catartizo a co-catartiser na tongo na lelo. L'élection de Dieu sur toi n'a pas commencé ici. Ko pona na nzambe na tina na yo e bandi a wate. Écoutez, Yoka, même pour que tu sortes de la famille où tu es sorti, il a fallu que Dieu te choisisse. Appelons Branham. Le grand docteur de l'âge. Dokotolo monene ya eleko. Il va nous expliquer comment le métabolisme se fait. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Au point 10. Cette partie, écoute très bien. Il n'y a qu'un seul sur 1 million. Qui vivra? Dites un peu, 1 sur 1 million. 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 Qui a chanté ça? C'est Matouri ou bien c'est Papa Coco? C'est qui? Écoutez. Yoka. Il n'y a qu'un seul sur ce 1 million. Et salika kana moto moko la likolo ya kiasa moko ya bato. Qui vivra? Ndé akopika. Avez-vous déjà pensé à cela? Bino si bokanisa likamboyo. Ce sont tous les mêmes spermes. Bango banso bazali nkona moko moko. Et les mêmes ovules. Bazali pe bankona moko moko ya basi. Ils sont tous identiques. Bazali bango nyonso ndenge moko. Écoute ce qui se passe. Yo kasiko zo salema. Quand il y a accouplement d'homme et sa femme, Natango mobali na mosi basangi sinzoto. Frère Banamidi, Ndeko Banamalobi, l'homme libère moto apesaka des semences. Apesaka nkona à sa femme. Na mosi na ye. Il donne combien de semences? Apesaka bankona boni. Branham dit quelque chose d'un million. Branham le bête appelle ça le bête bankona pene pene ya kiasa moko à sa femme. Na mwasi na ye. Un million kiasa moko ya nkona à sa femme. Na mwasi na ye. Mais maintenant constatez ce que Dieu qui prouve que Dieu est encore plus grand. Ça c'est pibota la likambo eso ndimisa ete nzamba sali monene mingi koleka. Quand les 1 million de semences va chez la femme, Natango ba kiasa moko nkona ko kende pa na mwasi. Le tout ne part pas aujourd'hui le matin, ça part au même moment. Ça c'est la science qui le confirme. Frère Branham aussi le confirme. Il donne 1 million. Dites au voisin 1 million. 1 million de semences. De semences. Mais maintenant remarquez. Ça c'est pibota là. Branham fait une déclaration. Branham sali kolobali lobamoko awa. Il dit. Alibi boye. Malgré les 1 million là. Attaque ya semoko bankono mobali akopesa. Mais kasi il n'y a qu'un seul qui vivra. Et sali kaka nankona semoko ndeko bika. Quand la semence quittait chez le père, nous étions plus de 1 million en course vers l'ovule. Natango, on connaît ça là qu'on te paye à tata.
Nous étions plus d'un million. C'est Branham qui l'explique. Mais il dit, remarquez, malgré que c'est plus d'un million. Ça veut dire, quand je parle de semences, ne comprenez pas ça comme si les semences dont je parle, ce sont les enfants. Les enfants, des personnes vivantes. L'homme libère plusieurs personnes. Un million de personnes. Un million des êtres vivants. Mais maintenant, Branham me dit, parmi les 1 million là, il faut qu'il y ait un seul qui doit être reçu chez la femme. Pour que le seul qui sera reçu de ce côté puisse produire qui? Enfant. Je suis en train de te montrer comment toi et moi nous sommes venus sur cette terre. Il n'est pas déterminé lequel il vivra, il arrivera. Et l'homme ne sait pas l'enfant qui viendra dans sa maison. Même la femme ne connaît pas l'enfant qu'elle va donner au monde. Ah, Dieu bon. Mais maintenant, Branham me dit, personne ne connaît. Parce que parfois le ville peut être très loin là derrière. Et le germe peut être là en plein milieu du sperme. Parmi les 1 million. Souvent la science fait, montre ça de cette manière. Vous voyez, il y a l'ensemble des enfants. 1 million. Les tout ici partent destination chez la femme. Mais maintenant il faut qu'un seul parmi les 1 million soit reçu là-bas. Ce qui veut dire qu'un seul est reçu là-bas. Écoutez le mystère. Tout le reste meurt. Je voulais t'informer. Je ne suis pas vainqueur que ici. Moi, façon de vaincre n'a pas commencé ici. Tu es vainqueur depuis la pensée éternelle. Même quand tu es devenu sous forme de germe, tu as quitté l'état théophanique. Tu es devenu des germes parmi des millions et des millions de germes. Et frère Branham dit, ces germes ici doivent se combattre. Les enfants doivent se combattre. Kassongu dit, moi je sors. Chamilo me dit, c'est moi qui dois sortir. Pele me dit que non, non, c'est moi. La guerre est déjà invisible. Mais il n'y a qu'un seul qui doit vaincre ce combat. Celui qui ira chez maman. Et quelques jours après, maman jette la salive. Maman demande des mangues vertes. Qu'est-ce qui fait que maman commence à jeter la salive? Un vainqueur est entré dans son ventre. Maintenant je pose la question. Frère Branham, les autres qui n'ont pas pu accéder là-bas, ils sont où? Qui veut écouter la réponse? Ils sont morts. Alors suivez. Ça c'est Pibolanda. Frère Branham dit, et ils vont passer l'un au-dessus de l'autre. Là c'est ici. Wana to zaliwa. C'est moi qui dois entrer. Il se précipite. L'un sur l'autre. Branham dit, il faut une intelligence pour savoir si ce sera un garçon ou
une vie. Esengeli mayele moko ekoka kozala pour pesa biso nzela koyebete mwana oyo akozala mobali to pe mwasi. Et en ce moment là même la science ne connaît pas celui qui vient. Nangonga oyo atanse bi bayebi na ino te mwana akobotama. Si tu parles à l'échographie, il n'y a pas de réponse. Soko ke ikunene ekografi ba kopesa. Maman Munganga, il faut combien de mois pour que l'on découvre l'enfant qui est à l'intérieur? Pour découvrir que c'est un garçon ou une fille? Il faut 4 mois. Qui comprend? Lève la main. Il faut combien de mois? 4 mois. Là, c'est la science. Mais Branham me dit, déjà à ce niveau ici, il y a une intelligence qui connaît déjà parmi les 1 million. C'est elle qui sortira. Et c'est elle là, c'est un garçon ou c'est une fille. Quelle est cette intelligence? Yemeye. Dis au voisin avant qu'on avance, je ne suis pas vainqueur ici. Je ne suis pas vainqueur ici. J'ai commencé à vaincre depuis avant que toi tu ne me voyes. Sois prêt. Sois prête aussi. Écoute Branham. Yoko Branham Alobi. C'est une élection de Dieu. Ça ne peut être rien d'autre que l'élection. Suivez. Bolanda. Même pour naître. Il faut que Dieu fasse l'élection. Dis au voisin, même pour naître. Frère Junior, tu es où? Deco Junior Rosali Wapi. Même pour naître. Atapona kobota manamo kilio. Il faut quoi? L'élection. Et Sengalin Zambia ponayo. Nantela na mapona minaye. Je veux qu'on arrive au point où on va terminer les raisons du frère Caïen de Tehaïr. Parce que toi tu es innocent. Tout ce qui t'arrive, c'est l'élection de Dieu lui-même. La lingue de toi, Kalikambo, ya kolelele na tina na kayino a inyo pointe. Non, qu'on amène frère Caïen à ne plus avoir raison de te haïr. Donc, parce que toi, tu es qui? Innocent. Tout ce qui t'arrive, c'est l'élection de Dieu. Et ça l'est, toi, mais mande kokaïna, atika koïna, yo pointe, makambo nyo se soko mela yo, yanganite moluki. Et ça l'in zambende apona yo osale mabongo. Ah, Jérémie 1, verset 5. Jérémie a yambo molonga kotanga mitano. Lisons. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Liboso kutungai na koka kosala yo na libumu ya mama oya boti yo. Qui parle? Nana solo bawa Dieu. Qui parle? Dieu. Avant ça, liboso na yango. Et avant que tu fusses sorti de sein, de son sein. Liboso te okoka kopima tana libumu ya mama oya boti yo. Lé autre fois toi-même. Tana mongo makasi. Je t'avais consacré. Nasi la kakobu nisayo. Je t'abli prophète des nations. Nasi la ka déjà koponayo mosako liabikolo. Lève la main si tu as écouté. Tombala le boko soko siliko yoka. Avant. C'est-à-dire, nous sommes ici. Eli kolobete to saliawa. Tu as quitté l'état ici. Olongona lulengia momboto. Tu es arrivé ici. Okomi na libumu ya mama. C'est devenu comment? Grossesse. Okomi mokumba tope semi. Tu vois? Osali komona. Tu es sous forme de la grossesse. Osali na lolenge ya mokumba. Est-ce que tu vois ça? Osali komona yango. Maintenant, dans le ventre de mama ici. Ça c'est pina libumu ya mama potio. À partir de là, c'est là que Dieu trace le programme de ce que tu dois être sur la terre. Kwa utawana de nzamba sali kobongi salo lenge oyo sengelo sala na mokili. C'est par là qu'il établit toi. Tu seras leader. Et si quand sali kotete yo okosala bulantulu. C'est là qu'il établit toi.
tu seras tel. Il lui donne des fonctions à partir d'ici. Remarquez que jusque-là, tu n'es pas encore né sur la terre. Est-ce que quelqu'un voit ça? Jusque-là, tu es encore dans le moi. Maman contre le moi, papa contre le moi. Et chez moi ici, le Seigneur nous. Et là, papa et maman, ils. Il cache de dire aux gens qu'elle est enceinte. Oh, bando qui bakoli aye, oublie, parce qu'ils ne savent pas que toi déjà, tu es déjà vainqueur avant même de rentrer dans son ventre. Liboso awa, bazo tanga basanza, poete tatana mama bazo banga, koe sabato soki te bando qui bakoli aye. Mzo kande ba yebe te yo, salimo longi, liboso kuto salana libu mura bango. Et là, be awa, Dieu il regarde, c'est là qu'il établit. Et c'est en enzamba, sali ko tcha mote si ko akosala. C'est là qu'il m'a donné le travail d'être pasteur. Et si quand enzamba pesa ngai mosala ya kote ya. Donc c'est pas un hasard. Salut, tu te réveilles seulement comme ça, paf, je suis tel. Non. Tout a été préordonné avant que tes pieds ne touchent la terre. Oh, t'es malamo ko komi mokengelite makambo nyoso mabongi samaki liboswe te lokolo na eni atana mokilio yo. Et c'est par là que moi je crois que Dieu t'avait déjà fait ma brebis. Et si quand on a salu kondi met nzambe se pona kayo mpate tope mondi minangai. Mes brebis ont été sélectionnés là-bas. Mpate langai basila kako pona ma awa. C'est pourquoi je ne combats pas pour avoir un croyant dans l'église. Yangwana te na sala kona te na bunda kabuna kate pona benda mondi mimoko ya nekele sana. Il a pris mes brebis. Non, ceux qui sont à moi, ils viendront. Je n'ai pas le temps d'aller corrompre quelqu'un avec de l'argent. Tout s'est fait où? Ici. Dis au voisin, dès le sein de ma mère. Dès le sein de ma mère. Dis-le bien, dis-le bien. Le bango malamu. Écoute. Je t'avais consacré. Na puli sakayo, tope na pesaka mpifowana. Et j'ai fait comment? Établi. Pe ngai na tselaka ko fandi sa ko tia yo mosakoli. Dieu t'a établi pour être un grand homme depuis le sein de maman. Zamba kela yo pe atia yo po sala moto monene liboso kuto sala libo mwa maman. Maintenant c'est que toi et moi nous vivons sur la terre, ce n'est que ce qu'on appelle rediffusion. Le film a été tourné depuis Lisano si basala yango kala. Et tu vois frère Kaye, pendant que nous sommes en train de donner l'offrande, Dieu agrée mon offrande, il se fâche. Or tu te fâches pour rien. Moi depuis ici, Dieu avait déjà vu que je suis Abel. Mon offrande va monter. Ton offrande à toi ne sera pas reçue. Parce que tu n'as jamais été sa semence. C'est pourquoi je lance une parole. Si tu es jaloux de quelqu'un, cette jalousie va te tuer toi-même. Parce que ta jalousie ne va pas arrêter. Depuis le sein de sa mère, Dieu a fait de lui ce qu'il est là. Dis au voisin, jalousie zéro. Jalousie zéro. La sœur ici, tu rêves quoi? Tu penses à quoi? Tu es où? Dis au voisin, jalousie zéro. Jalousie zéro. Cette partie, je veux qu'elle entre avant que les choses aient bébawa. Il faut écouter. L'ingé de tenir écoute avant que toutes les choses partent. Hein? Et comment seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pour il a été établi dans ça. A tiamaka liposo abote ama na makambo yo. Donc quand lui était en train de pleurer dans le couvre là, Dieu ne voyait pas le bébé. Vous voyez le bébé, mais Dieu voit un grand homme d'affaires. C'est une affaire que Dieu a choisi depuis. Et Dieu
et à cause de la jalousie, tu iras toucher au fétiche Tchanan. Likolo ya zua, orenda ko simba bisimba simba ya pambala pambala. Et là, la chanson de John Beluko va te rattraper. Wana si ko zika pam. Nzembo ande ko John Beluko e ko sale manzoto na nzela na yo. Ici, awa, Dieu établit. Zamba sali ko tia moto. Quand tu l'auras tel âge. Natanga ko komba bamvula songolo. Il va faire tel exploit. Ako sala likambo songola monene. Quand tu l'auras tel âge. Natanga ko kokisa bamvula motango boye. Il sera choisi dans telle société. Ako pona manesika kapanda ya mosala. Tu l'écouteras la prédication de tel dimanche. Natanga ko kalite ya mokolo malomingo pakala. Dans cette prédication là, je vais changer sa vie. Na lite ona na kobongola bomo ina ye. C'est un programme de Dieu. Eh salima bongisi na nzambe. C'est pourquoi la Bible dit. Yango na ndie Biblia lopi. Ne dépend pas ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Quand il établissait les gens là, personne n'avait fait une prière là-bas. En ce moment ici, il n'y a aucune prière. Dans le ventre de maman. Il n'y a pas de gêne de prière ici. Mais sa miséricorde fait l'élection. C'est pourquoi il y a certaines prières que nous faisons, nous pleurons en vain. Seigneur, je suis en retard. En retard par rapport à qui? Qui était venu avec toi au même moment. Les jours que tu combattais, à partir d'ici, tu as combattu seul. Toutes les autres semences sont mortes. Et toi, tu y es sorti. Maintenant, tu y es venu seul. Par hasard, on s'est croisé dans les mois. Et tu commences à te comparer aux autres. Personne n'est en avance par rapport à toi. Écoutez, tu n'es pas en avance. Tu n'es même pas en retard. Chacun a son jour. Chacun a son temps. Parce que c'est l'élection de qui? De Dieu. Chacun a son temps. Si quelqu'un paye des parcelles aujourd'hui, non, il accomplit ce que Dieu avait déjà ordonné. Et même s'il payait tout un quartier, il ne payera pas tout le Congo. Même s'il payait tout le Congo, il ne payera pas l'Afrique. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Ne limite pas ta vision sur le Congo. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de payer des choses même à l'étranger. Toi, tu dois avoir des concessions à l'étranger. Tu as des parcelles au Congo. Tu as des villas au Congo. Tu as aussi des villas à l'étranger. Qui a dit que les Américains ne peuvent pas être tes locataires? Qui a dit que les Américains ne peuvent pas être tes locataires? Moi, je crois que le Dieu de William Branham peut ramasser quelqu'un ici au Congo et il fait de lui un grand prêtre en Europe. Je te le répète dans tes oreilles, tu n'es pas en retard. Personne ne te dépasse. Vous ne faites la course avec personne. Pourquoi? Même dans les églises que nous avons ici, je vous l'ai dit au nom du Seigneur, je n'ai pas le temps d'envier l'église de quelqu'un.
Je vous dis la vérité. Quand je vous vois, super peuple, super église, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Dis à trois personnes tel que tu me vois, tel que tu me vois, depuis le sein de ma mère, depuis le sein de ma mère, Dieu m'avait déjà établi, Dieu m'avait déjà établi leader, leader. Depuis le sein de maman, Dieu t'avait déjà établi l'étoile de la famille, la référence de la famille. Écoutez, ce ne sont pas des choses qui viennent par accident. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. Dans le royaume mystique, le hasard n'existe pas. Tout est préordonné. Tout est sélectionné. C'est pourquoi moi je crois. Toi tu es sélectionné à être le poteau d'attache de cette église. Sublime va construire des grands temples. Et ce grand temple là sera construit avec votre argent. Si tu le crois, dis oh Dieu, oh Dieu, je vais déjà construire, je vais déjà construire un joli temple pour un toi. Joli temple pour toi. Oh Nzambe, na lingi kotongela tempelo monene. Na litia mosakoli boyo kayé 15. Na tenya sangwaso mina mitano. Il connaissait même la fin depuis le commencement. Nzambe ya bakisuka liboso kutosa bandeli. Parce que il est un Dieu grand, c'est ça non? Boeta sali Nzambe monene boeti. Qui Dieu est? Nzambe sali nani? Azaline Zambé moko monene ezanga suka koleka monene. Ah, lui ne le fait pas. Yazo sala ngote. Azaline Zambé moko monene, monene mingi koleka. Monene. Comme il est gaillard. Lokola sali akafumba sans limite. Kosanga suka sans commencement. Kosanga ebandeli. C'est pourquoi il connaissait même la fin avant quoi? Le commencement. Ayeba kisuka libosoto sala ebandeli. Il connaissait chaque puce, chaque pou, chaque mouche, chaque personne. Ayeba ki silinyoso, ayeba ki ntintinyoso, ayeba ki kobeta nyoso amotema, ayeba ki motonyoso. Tout ce qui s'était passé depuis le commencement, makambo nyoso eleka ki utene bandeli. Il connaissait tout cela. Zamba ayeba ki makambo na nyoso. Sinon, sokite. Sinon, il ne le serait pas Dieu. Sokite linga ki kosala nzambe te. Est-ce que je peux te dire un secret à l'oreille? Qui veut écouter un secret à l'oreille? Comme Dieu connaissait tout, tu n'as pas le droit de te débrouiller. Pour se débrouiller, Nabin. Voilà quoi, bunda bunda toboy. Si Dieu est Dieu, qu'il se débrouille à ma place. Ce qui nzamba zali nzambe asala makambone sika nangai. C'est comme je sors chez moi avec mon fils Kemiel dans la voiture. Et ça le connaît la bimé pas nangai mon nangai Kemiel na motuka. Qui n'a que 3 ans, je lui dis papa allons à l'église. Asala kaka na bamvula misa to na pitete tata to kele na kelesia. On arrive sur un point gabe, je lui dis papa descend. To comme la rompo gabe lesia tata kita. Arrive toi même à l'église. Yo moko koma na losambo nga na soya. Quel père suis-je? Tata ndenge ni penza na kozala. Il est bien irresponsable. Na kozala tata asangi makotia comme mambo kumba na ye. Si je suis un père responsable et que j'amène mon fils à l'église, je peux l'amener jusqu'à la destination. Donc Dieu ne peut pas être irresponsable au point de m'envoyer ce monde et
et je commence à me débrouiller. Là, il devient irresponsable. Salut 5 personnes. Je refuse un Dieu irresponsable. Je refuse un Dieu irresponsable. Salut, salut-les. Aujourd'hui, aujourd'hui, je refuse un Dieu irresponsable. Un Dieu irresponsable. Hein? Pour manger, je dois me débrouiller. Pour dormir dans une maison, je dois me débrouiller. Non. Nous refusons cette affaire-là d'être un Dieu irresponsable. S'il continue à être irresponsable, nous avons droit de le refuser. Et de lui dire, toutes tes promesses sont fausses. Mais je connais une chose. Je sais que s'il y a un responsable, c'est lui qui connaît même le mot responsabilité. S'il y a quelqu'un qui prend soin, c'est le Dieu de Branham. C'est le Dieu de Branham. Il est le responsable des responsables. Il est le patron de l'univers. C'est pourquoi lui-même dit, même le cheveu de ta tête ne peuvent pas tomber si moi je n'ai pas autorisé. Alors dis encore mon Dieu, un père responsable, un père responsable. Tata Nangaï Azali mon memi mokumba ya solo. Par conséquent, il peut préordonner les choses pour qu'elles s'opèrent selon son plaisir. Écoute, c'est la raison pour laquelle il a dit qu'il a haï Esaü et qu'il a aimé Jacob. Yangolo bakete ayina kine Esaü pe apona kine Yakobo. Avant que les deux garçons soient nés, liboso te bano ya mibali mibale ba botama. Lui d'abord. Tanganano. Parce que il savait que Esaü était un escroc. Pour commencer, pas y'a pas qu'été Esaü Azalaki Mangobo Angualima. Laisse-moi un peu te faire rire. C'est quand là c'est qui ça? On ne devient pas Kuluna par hasard. Bah, comment la Kuluna Kakalambala Kataburete? Si parmi nous ici il y a quelqu'un qui t'a volé un téléphone, il n'est pas voleur. Par hasard, ce qui la casse la bisoua, ton salin la moto, yiba qui a l'eau à l'eau, à salim ou yibika à l'élote. Fouébana me dit, Nekobana malobi, Dieu connaissait que Esaü, il serait comment? Escro! Samba baguette et sawa, qu'on salamango. Raison pour laquelle tu as vu parfois dans la famille, tu n'avais même pas encore cru le message, mais il y avait certaines personnes dans la famille. Donc, il nous vole comme il respire. Mais toi, tu n'as même pas cru le message, mais tu n'as pas le goût de voler. C'est le problème de Être escroc, c'est aussi une prédestination. Tu vois un frère qui trompe comme il respire. Donc c'est une affaire de prédestination. Vous allez prier pour lui, ne va pas changer. Donc lui-même pour sortir, quand les autres sont morts là, c'est sûr qu'il a même volé pour passer. Yeah. Pour dépasser les autres. C'est pourquoi si ce matin tu es encore escroc, tu es en train d'écouter la trompette de la délivrance. Yeah. Ce message change. De l'escroc
aux chrétiens. Donc la soko zali mangobo, ozali ko ka kelelo na nzambe ya sango e bongo la ka moto zala ki mangobo. Akomi mo Christo. Dieu envoie ce message change. Ce message change. Maintenant, je voulais poser une question pour attaquer. Ça c'est bien aligné que tout la moto na moko pona kolobelo ko moko. Si un escroc, Dieu peut préordonner afin qu'il soit qui? Escroc. Et il vient sur la terre, il devient réellement escroc. Ce qui pense à Mangobo, Zamba Kokiko Bongisa Makambouta Kalabo Tamasa Mangobo, Pe Akomi Namokilo, Akomi Mangobo. Que dire si Dieu a prédestiné que quelqu'un soit son fils, que quelqu'un soit millionnaire, que quelqu'un soit multimillionnaire? Qui va empêcher cela? Ce qui nous a mis à la moto, la bongo, mingi koleka. Nane kopeki sayango. Je commence à prêcher. Nabandi kote ya. Qui va empêcher que je sois ce que Dieu a prévu que je sois? Nane kopeki sanga ina sala on zamba bongi sala. C'est pourquoi une question me vient à l'esprit. La moto la moko linga ina makanisi. Qui osera me zapper? Nane kopeka kolongo langa ina mabongi sina nzambe. Zapper ça veut dire. Effacer, supprimer, enlever. Je pose la question en regardant dans l'enfer. Je veux que le diable ouvre ses oreilles. Et tous ces démons, et tous les sorciers des familles, qui osera me zapper? Est-ce qu'un courageux peut poser la même question? Qui osera me zapper? Qui osera me zapper? Alléluia! Amen! Avec tout ce que Dieu a déjà prévu sur moi, il est celui qui a dit: tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est ce qu'il a déjà préordonné. Maintenant, posons la question à celui qui t'a donné la prophétie de la pauvreté là. Parce qu'actuellement, certaines personnes, pour qu'ils aient un peu beaucoup de membres dans les églises, écoute leur prophétie. On a prévu, on va t'enterrer. On a dit, il te reste autant de mois. Et ta richesse, c'est l'oncle qui l'a bloqué. Je me pose la question entre l'oncle et le grand Jéhovah: qui peut surmonter sur l'autre? Personne, personne. La réponse ce matin: personne. Tu es en désordre aux gens. Personne. Tu es en désordre. Personne. Va dire à quelqu'un: personne. Je te donne le courage de sillonner même dans la salle. Sois en train de leur dire: personne. Personne. Personne ne peut me zapper. 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 Je suis béni. Na pambolami. Je reste béni. Na tikali ya kopambola. Je suis élevé. Na tombwami. Je reste kotikala kotombo. Je suis pardonné. Na limbisami. Je reste pardonné. Kotikala ko limbisama. Si quelqu'un ne veut plus de toi, ce qui motolingeli susute, laissez-le dans son coin. Sika ya bana le sika na ye. Mais il y a un Dieu qui t'avait déjà vu dès le sein de ta mère, que tu auras un bon mariage, que tu auras du succès, que tu es béni. Qui osera me zapper? Est-ce qu'il existe? Non. Il n'existe pas. Il n'est même pas encore né. S'il osait naître, il sera prématuré. Il sera prématuré. Et il va mourir à la maternité. Au nom de Jésus-Christ. Occupez les grands postes. Là où Dieu t'a déjà vu là. Montez là où Dieu t'a déjà vu. Que personne ne t'effraie. Que c'est pour
les magiciens. Dites-leur, moi, j'avale les magiciens. Dites-leur, moi, quand on créait Satan, moi-même j'étais là. Qui osera me zapper? Personne. C'est pourquoi je le déclare. Comme Dieu vous a placé ici, dans ces quartiers, il n'y a aucun sorcier qui peut déranger notre adoration. Que Caïn soit jaloux, la jalousie va le tuer lui-même. Oh, que quelqu'un dise alléluia, 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 alléluia. J'ai envie de danser sa musique. J'ai envie de jubiler. J'ai envie de jubiler. Personne ne peut me zapper. Il n'y a aucune malédiction qui peut t'enlever dans ce monde. Même si tu y as péché, ce péché là, c'est un problème entre toi et ton père. Le voisin n'a pas de place dans ce dossier. Si ton fils a cassé votre verre, même si le voisin se fâche comment, il n'a pas droit de venir mettre sa parole dans ce dossier. Tu vois seulement un voisin qui prend le fouet. Toi, tu as brisé les verres de mon voisin. Il commence à frapper ton enfant. Si je suis un père responsable, je vais lui dire, Mutumba mwana enu chabusho. Karibu ayebu bwalu, kimbu kufana to. Ah, etaliota asali mwana na yote. Tumba mwana enu. Asali mwana na ngai moko. Mutumba si mwana enu. Donne le micro. Interprète l'église, écoute. Pasteur Alobi, voisin Azan de Côte, bien sûr. Mais pour na oyo ambo etalio te. Je suis venu punir cet enfant. Cet enfant ne comprend pas. Même s'il ne comprend pas, est-ce que c'est toi le propriétaire de germes? C'est mon enfant. C'est à moi de le punir comme je veux. Parce que je sais qu'après la punition, je vais l'amener au supermarché. Qui a besoin d'entrer dans le supermarché de Dieu? Après ton péché, Dieu peut te punir. Mais après la punition, direction où? Supermarché. Comme tu es debout, lis toi-même cette citation. Je sais que mon Rédempteur est vivant. 12. Ben, viens lire la citation. Viens lire à tes frères. Vous lisez avec. Viens, hein? Cours vite. Tu coupes l'onction, pourquoi? Donnez-lui le micro. Lis la citation, lis avec tes frères, lis à haute voix. Lis la citation. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand,
combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance. Vous êtes ici pour servir un destin. Que celui qui le croit donne un amen. Amen. Tu n'es pas ici pour un hasard. Tu es ici pour servir quoi? Un destin. Alors lis. Tout comme mon doigt est ici pour un dessin. L'ongle est sur mon doigt pour un dessin. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessin. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir. De quoi cela aura l'air lorsque ça serait placé ici? Mais cela a été placé ici pour servir les desseins auxquels c'est destiné. C'est le plan de Dieu de faire ainsi. Lis maintenant, on trouve toi-même. On y va. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Ce qui nous a battu là, nous sommes au Kili. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà acheté des grands buildings? Est-ce que tu as déjà construit des immeubles? Est-ce que tu as déjà fait de grandes choses en Europe? Est-ce que le gouvernement a déjà parlé de toi? Est-ce que la RTNC a déjà donné les informations avec ton nom? Comme cela n'est pas encore arrivé, rien ne va te nuire. Rien ne va te tuer. Rien ne va me nuire. Rien ne va me nuire. Marche avec fierté, dis au voisin, j'ai un dessin. Dites-leur, j'ai un dessin. Nathan Mazi, dis aux gens, j'ai un dessin. Satan Alinga, que Satan le veuille ou pas, rien ne va me nuire. Alors posons encore notre question là à haute voix. Qui osera me zapper? Même Satan. Attends, Satan, à Kokokate. Oh, on a dit. On vous a mis la peur inutilement. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines. Lis à haute voix. Une raison est lié à tout cela. Ma cambora n'y osoba pas si comme la biso. Tina moko ezalina simana yango. Ta difficulté là, il y a une raison. Koko sona wana ezalina tina moko na sima. Les larmes qui coulent là, il y a une raison. Tina lio eso oso sawana ezalina. La raison c'est quoi? Tina mo ezalini. Je veux que tes chagrins deviennent le sujet de témoignage. Zamba lingete ma pas la yoko malikambolita toli. Écoute. Yoka. Où est Ben? Ben. Mais il est où? Azali wapi? Toi tu commences à combattre la prédication. Au bandit quoi bon salité ya. Sois là, sois qu'il se tienne là-bas. Téléma awa. La rédemption dans sa totalité. Lisiko na mobimba na yango tanga. 63. Tukumotoba na misato. Sikoyo
Maintenant, Koyo, pour chaque croyant, bon amour, diminuoso, chaque enfant de Dieu né de nouveau, bon amour, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Relis bien la place de l'ange là. L'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Il y a quelqu'un qui a besoin de la guérison. Cette maladie ne va pas te tuer. Même si tu étais dans un accident grave, cette maladie ne va pas te tuer. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? L'ange de Dieu, il s'interpose. Et je te forme dans cette salle. L'ange est déjà ici. Dans cette salle. L'ange est déjà ici. Et moi, l'ange de la terre, je me tiens. J'entre dans ton dossier. J'entre dans ton problème. J'entre dans ta maladie. Tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, si vous voulez vous précipiter vers quoi? La mort. Vous voulez vous précipiter? Si vous voulez vous précipiter vers la mort. Branham dit quoi? Et Talio. Branham dit quoi? Branham l'obinini. Et ça vous regarde. Ben Branham dit quoi? Ça vous regarde. Etalio. Si toi tu veux aller mourir, Etalio. Si toi tu veux être pauvre, ça n'engage que toi. C'était comme récemment j'ai publié un article. Et ça la mingi la koma kelo komo kuna na réseaux sociaux. J'ai dit. Alors baki boye. Au ciel on ne va rien acheter. Na lola toko sombelo koko nate. Les maisons, les habits, tout ce qu'il y a de meilleur ici, on doit les consommer d'abord ici sur la terre. Et on quitte la terre, on a vaincu la pauvreté, les péchés, tout ce qu'il y a, on a vaincu, puis on part aussi. Et un incrédule, je dis bien un incrédule, il vient, il dit: frère, Dieu a dit que c'est difficile qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Même Lazare était pauvre. Mais il est entré au ciel. Mais ça, c'est le langage d'un incrédule. Si toi tu veux aller vers la pauvreté, mais... bien allé, ça vous regarde seulement vous. Et aussi, moi je ne m'appelle pas le pauvre Lazare. Écoutez, est-ce que moi je m'appelle le pauvre Lazare? Ou bien vous appelez le pauvre Lazare? Mon fils, tu t'appelles le pauvre Lazare? Dites un peu, je ne suis pas le pauvre Lazare. Je ne suis pas le pauvre Lazare. Avant d'aller au ciel, il faut que je me fatigue de compter les dollars. Pour que les jaloux s'excitent. Si vous voulez aller vers elle, ça fait comment? Ça vous regarde. Mais écoutez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de mourir. Je ne suis pas obligé d'être pécheur. Je ne suis pas obligé d'être pauvre. Je ne suis pas obligé d'être mendiant. Dis-le un peu à cinq personnes. Je ne suis pas obligé d'être mendiant. Regarde celui qui ne te dit pas avec l'onction là. Donc peut-être lui est obligé. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Comment tu dis je ne suis pas obligé? Tu n'as pas la joie. Dès que dis-le avec joie.
C'est quand vous confessez que cela va arriver. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Est-ce que quand vous vous avez dit que quand vous vous avez dit que je ne suis pas obligé là, est-ce que j'étais taxé d'un orgueilleux? Mais quand moi je parlerai, oh ça devient l'orgueil. C'est mon tour de parler. Je ne suis pas obligé d'être un petit pasteur. Je ne suis pas obligé d'avoir une petite église. Je ne suis pas obligé de ne pas construire un grand bâtiment pour le Seigneur. Je le dis avec fierté. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Alléluia. Amen. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Dis-le trois fois. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Si toi tu es obligé, ça vous regarde. Ceux qui ont besoin de mon amakasi est à l'io. Je ne suis pas obligé. Envoie-moi amen trois fois. Amen, amen, amen. Que je te donne une citation qui va te donner la folie. Ou bien tu es fatigué. Bon. Allons dans la paix du Seigneur. Dites un peu grâce. Attaque encore. Attaque encore. Comment puis-je vaincre? 52. Nous voyons ici que Dieu a toujours eu des vainqueurs. Il a des vainqueurs dans chaque âge. Est-ce que nous sommes dans un âge? Amen. Il y en a eu toujours. Chaque fois dans chaque âge, il y a eu sur la terre. Dieu a toujours eu. Ça, je ne vais pas lire moi-même. Toi-même, lis à haute voix. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il pouvait mettre sa main comme témoin sur la terre. Dieu a toujours eu quelqu'un. Dieu a toujours eu quelqu'un. Dans cet âge, le premier quelqu'un, William Branham. William Branham. On descend. Quelqu'un là devient moi. Tu es vainqueur. Tu n'as pas commencé à vaincre maintenant. Depuis ici. Alors dis au voisin, alors ne sois pas étonné quand tu me verras faire de grandes choses. Alors ne sois pas étonné quand tu me verras faire de grandes choses. Bon, je veux qu'on le dise. Ne sois pas étonné quand tu me verras faire de grandes choses. Dis-lui, ne sois pas frère Caïen. Ne sois pas frère Caïen. Quand tu me verras faire de grandes choses. Caïen, frère Caïen, ne sois pas frère Caïen. Hein? Hein? Dis-lui, ne sois pas frère Caïen. Ne sois pas frère Caïen. Dis-lui, quand mon adoration montera. Quand mon adoration montera, ne sois pas frère Caïen. Ne sois pas frère Caïen. Laisse-moi un peu passer voir s'il y a un Caïen ici. S'il y a un frère Caïen ici, qu'il ne soit pas jaloux. Tu vois avec ton ventre ici. Vainqueur. Je suis en train de contempler le vainqueur. C'est-à-dire, tu t'assois. Dès que tu te lèves, et quelqu'un y vient, s'il a le cancer, ça. Si il a le cancer, écoute. Vas-y,
Merci, chers les bataillons. Ah, papa Moïse. Oh, papa Moïse. Dans ta veste ici. Na kazaka olati. À ton âge ici. Na bamfula ozali na yango. Vainqueur. Ozali molongi. Moi, je ne crois pas que certains âges où on ne peut plus faire de grandes choses. Ngai na ndima katete sana bamfula ba kopeksa motasa na makambo minene. Oh. Oh. Cet âge tu es de. Bamfula okomi na yango. Grossi ça ça dérange. Oh, à cet âge tu es déjà vieux. Oh, ba ndengo sa bokusi okomi mobange. Y a pas moi. Chose. Ma coquille à quoi ça je ne crois pas ça. Nandi ma cabongote. C'est la transmission de l'onction. Et en tant que Dieu du Seigneur pour. Galo kola moi je l'ai encore pour nekele za oyo. Je suis en train de passer si je fais des blagues. Ne pensez pas que je fais des blagues. Je sais ce que je fais pendant que je suis en train de passer. Je suis en train de libérer des vertus. Je sais ce que je fais ici. Vainqueur. Molongi. Le Dieu de Branham nous a amenés au niveau où. On ne peut plus reculer. Avec tes lunettes ici, vainqueur. Vainqueur. Oui. Tu as bien dit. Je vous salue l'ange du Seigneur. Tu n'étais pas trompé. Io, au père Sengai Mote, moi je l'ai encore mis cosité. De la même manière que je suis. Qu'il y ait une onction dans cette salle. Et pas que la mienne, c'est la casse de Tonga Oyo. Je sens mes cheveux bouger. Nazo Kasuki Nangai Koningana. Zambé na William Branham. Atika Loko Salali Soloté. Que cette réunion sera une réunion historique. Reçois l'onction. Reçois le désir de ton père. Je change tout. De la même manière. Je suis en train de circuler. Le même. Elohim circule dans cette salle. Tu as besoin de quelque chose. Dieu doit te visiter. Oui, je vous dis la vérité. Personne ne peut te zapper. Qui osera te zapper? L'heure est arrivée où nous devons montrer aux sorciers que dans ces messages il y a une puissance. Vous n'êtes pas debout par un hasard. L'heure est arrivée où nous devons montrer à la magie qu'il y a des gens qu'on ne peut pas zapper. Et je le déclare sous l'onction. Quiconque osera citer ton nom dans la sorcellerie, qu'on l'enterre. Je le dis sous l'onction. Quiconque osera citer ton nom dans un mauvais sens, qu'on l'enterre. Qui osera me zapper? Quel courage le répète à haute voix? Qui osera me zapper? Qui osera me zapper? Personne. Personne. Je le répète, personne. Je peux aller plus loin. Même tes parents. Si tu as été maudit par tes propres parents, je sais que tu es venu d'eux. Mais tu n'es pas créé par eux. Je sais qu'ils t'ont amené sur la terre. Mais ce ne sont pas eux qui t'ont amené dans la pensée de Dieu. Mais non. Au nom de Jésus-Christ,
Jésus-Christ. Que quiconque te veut du mal vienne se repentir. Je le répète sous l'onction. Quiconque te veut du mal qu'il vienne se repentir. Je lui donne encore une grâce. Sinon on va l'enterrer. Fébra Name dit. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il y avait les gens qui dérangeaient Moïse, Dieu a ouvert la terre. Samba fongola ki mabele. Écoutez, écoutez. Yoka, yoka. Et les avait enterrés vivants. Pe akunda ki bango na bomoi. Cela veut dire yangoli kolo baboye. Il y a des gens qu'on peut enterrer avant l'heure. Et sana bato bakoki kokunda liboso ngongo batiela bango. Parce qu'ils ont voulu zapper celui qui ne peut pas être zappé. Pwete balinga ki kolongola moto bakoki kolongola te. Tu es dans le royaume mystique. Oh salina bokonzo e mona na kate. Au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Protégé. Que ta famille soit protégée. Oh, je sens quelque chose. Donne-moi la citation là. Je sens quelque chose. Donne-moi la citation là. Dans ce mois, au point 3. Lis avec force à haute voix. Ainsi donc, nous sommes heureux de passer ce moment de communion avec tu avais la tristesse. Sois heureux. Sois heureux. Arrange le visage. Oublie les moqueries. Tout ce qui a un début a une fin. Que celui qui se moquait de toi, qu'il soit confondu par le sourire que tu vas donner. Sois heureux au nom de Jésus-Christ. Frère Name dit, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Écoutez, Yoka, je suis très reconnaissant de voir cette jolie petite nouvelle église. Est-ce que vous êtes une jolie église? Dis un peu au voisin. Comment tu trouves sublime? Comment tu trouves sublime? Dis-lui, c'est joli, non? C'est joli, n'est-ce pas? Même Branham a vu que c'est joli. C'est pourquoi il dit, je suis très reconnaissant de voir cette jolie petite église. Lisez. Tanga. Cela montre qu'il y a une assemblée prospère qui a entrepris de construire cette église comme ceci. Et lui, ezala lisanga bato bazwi mokano ya kotonga kelesa lokola oyo ya kitoko boye. Ils sont décidés de construire. Banani bazwi mokano ya kotonga. Dites Dieu. Dieu. Je suis décidé. De te construire. Un joli tabernacle. Écoute maintenant. Yoka sikoyo. Qu'est-ce qu'il dit? Cette petite ville ici. Moi nkubwa mokoyo. Et pour sa population en pleine extension. Na bato bakomi pele pele basoma. J'espère que Dieu. Nazoli ke ete nzambe. Qu'il l'élargira au point qu'on aura acheté des terrains voisins pour construire un bâtiment plus grand. Nzambe akosala na bosandete to somba mapango ezali pembeni pembeni. Que Dieu fasse élargir cette église. Payez des parcelles voisines. Là-bas. Kuna. Et Sambwe. Parce qu'on ne construit pas seulement comme ça. Même comme ça. Et je me rappelle la parole du bailleur de cet endroit. Il m'a dit, pasteur, quand j'ai vu ton église, quand je vois l'onction que vous avez, je vous dis que vous allez construire là-bas. Il me dit, vous allez faire des balcons là-bas. Il ne savait pas que H.A.M. l'avait déjà dit. Frère Branham dit,
Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez acheter des terrains voisins. Et que plusieurs certaines des gens seront sauvés. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Tu peux lire à haute voix. Que Dieu bénisse le pasteur. Nzamba pambo la mobate limpate. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Est-ce que vous avez un pasteur? Amen. Zebrana me dit que Dieu bénisse le pasteur. Zamba pambo la mobate limpate. Le diacre. Les administrateurs. Et tous les autres collaborateurs. Ça veut dire les techniciens. Les interprètes. Les caméramans. Les pianistes. Les instrumentistes. Les croyants. Les frères. C'est Branham qui vous bénit. Tu me regardes. C'est Branham qui vous bénit. Et tous les collaborateurs qui sont assemblés avec nous ici, dites je suis béni. Ceux qui sont à la projection, recevez la bénédiction branhamique. Ceux qui sont ici devant, recevez la bénédiction branhamique. Mes voisins de ce quartier ici, vous qui êtes de ce côté, recevez la bénédiction céleste. Mes amis qui sont de ce côté, recevez la bénédiction. Et pose la question à Satan. Et toi, et tes démons. Qui osera mes appels. Il n'existe pas. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le diable te regarde, Satan, il ne te voit pas toi. Qui il voit? Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'homme de Galilée. Le plus beau d'entre 10 000. Le patron de l'univers. Le Jéhovah Rapha. Le Jéhovah Nissi. Le Jéhovah Elohim. Le roi rédempteur. Le plus beau d'entre 10 000. Que Dieu puisse te surprendre. Que les jaloux soient surpris. Je sais que dans l'adoration, il y a Abel. Il y a aussi Caïn. Mais ce qui est vrai, Caïn n'arrêtera pas la bénédiction d'Abel. Caïn a consulté sa liberté Abel à terre. Parce que toi tu y es béni. Dès avant la fondation du monde. Alors prie. Bondela. Prie maintenant là où tu es. Bondela siko sali. Prie maintenant. Bondela. Remercie le Seigneur. Tondankolo. De t'avoir choisi. Ndenga ponayo. Remercie le Seigneur. Tondankolo. Remercie le Seigneur. Tondankolo. Remercie Jéhovah. Loba matondi Jéhovah. De m'avoir choisi. Ndenga pona kingai. Merci Jéhovah. Matondi Jéhovah. De m'avoir sélectionné. Ndenga pona kingai la kase bele abato. Merci Jéhovah. Matondi Jéhovah. Tu as fait de moi okomi singai une source de bénédiction. Si ma mapamboli. Priez. Bondela. Que Dieu change ton histoire. Zamba bongo la lisolo na yo. Personne ne peut tes appels. La magie n'existe pas. Elle ne peut pas te nuire. Elle ne peut pas te détruire. Parle au Seigneur. Parle comme quelqu'un qu'on ne peut pas appeler. Chaque promesse dans les livres miens, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en amour divin. Chaque promesse dans les livres. Oh, chaque promesse dans les lignes. Chaque chapitre, chaque verset, chaque... Oh oui, je crois, son amour divin. Chaque promesse dans
Jesus,
je crois, c'est le mal. Moi, je crois, c'est le mal. Moi, je crois, c'est le mal. Oui, je crois, tout simplement. Oh oui, moi, je crois, c'est le mal. Moi, je crois, c'est le mal. Oh, moi, je crois, c'est le mal. Oui, je crois, tout simplement. Oh, cette parole, c'est le mal. Oh oui, moi, je crois, c'est le mal. Oh, moi, je crois, c'est le mal. Oui, je crois, tout simplement. Comment il agira, je ne sais pas. Comment il fera, je ne sais pas. Comment il me bénira, je ne sais pas. Oui, je crois tout simplement. Comment il agira, je ne sais pas. Comment il fera, je ne sais pas. Comment il me bénira, je ne sais pas. Oui, je crois tout simplement. Oh, oui, moi je crois seulement. Je crois, c'est le mal. Je crois, c'est le mal. Oui, je crois, tout simplement. Comment je construirai, je ne sais pas. Comment j'achèterai, je ne sais pas. Comment je serai levé, je ne sais pas. Oui, je crois, tout simplement. Comment je serai changé, je ne sais pas. Comment je serai béni, je ne sais pas. Comment je serai sauvé, je ne sais pas. Oui, je crois tout simplement. Alors, moi je crois seulement. Moi je crois seulement. Oh oui, moi je crois seulement. Oui, je crois tout simplement. Comment je serai millionnaire, je comment je serai multimilliardaire, comment je partirai, je ne sais pas. Oui, je crois tout simplement. Oh oui, moi je crois seulement. Moi je crois seulement. Oh oui, moi je crois seulement. Oui, je crois tout simplement. Besoin de l'aide de Dieu. Après cette forte onction, tiens-toi debout pour recevoir la prière. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Mets ta main sur ton cœur, la main droite sur le cœur. Chaloboka mobali na motema. Alors qu'on va prier pour vous. Wanatamba kobonde la bonabino. Croyez que Dieu va donner le désir de votre cœur. Dima ete nzamba kopesa yo posa motema na yo. Ici, nous ne connaissons pas un Dieu historique. Awa bisoto yebin sambe ali solote. Nous connaissons un Dieu qui prêche et qui répond aux prières de ses enfants. Bisoto yebin sambe oyo atea kape ayanolaka na mabondeli abana na ye. Peu importe ta requête maintenant. Atako bosenga na yo ezali monene ndenge nini.
crois que tout est possible maintenant. Qui osera mes appels? La réponse est la seule et l'unique. C'est qui? Personne. 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 Suivons la prière. Alors que le révérend Dan Kayumbi va prier. Mettez votre foi dans cette prière. Dieu va le faire. Dieu. Dieu, notre Père et notre Roi. Toi, le donateur de tout don parfait et excellent, Père. Tu as dit dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Cieux et la terre passera, mais ta parole ne changera pas. Père, n'est-ce pas toi qui as dit que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous déchargerai. Et cet après-midi, nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus devant notre Père. Parce que tu as dit dans ta parole, si les méchants pères de ce monde peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison toi, notre Père céleste. Dieu, nous sommes venus chez toi parce que nous croyons que tout est possible, Père. Dans ta présence, il y a la solution à chaque problème. Dans ta présence, Père, tu réponds à chaque prière. Et cet après-midi, tu connais ce dont tes enfants ont besoin. Tu connais chaque désir de tes enfants. Tu connais chaque cœur qui est dans des tourments et dans des problèmes. Mais comme nous l'avons entendu, que toi tu veux toujours qu'on prospère, Père. Tu veux toujours qu'on aille de plus en plus mieux. En achetant des terrains à côté, Père. En achetant tout ce qui nous entoure. Cet après-midi, nous voulons que ta main puissante touche tout un chacun de nous. Oh Dieu, comme quand Pierre était en prison, les chaînes étaient tombées d'une manière miraculeuse à cause de la présence de l'ange. Que la présence de l'ange qui est ici maintenant, que chacun tombe au nom de Jésus. Les chaînes de la pauvreté, les chaînes, Père, de toute maladie, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous avons besoin de toi. Père, encore une fois, viens et prouve que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, le Dieu qui était le Dieu de William Branham, si nous te laissons seulement être le Dieu de William Branham, tu ne nous serviras à rien. Si tu restes seulement le Dieu de Pasteur Grace Mutombo, tu ne nous serviras à rien. Mais cet après-midi, sois le Dieu de tout et chacun de nous, Père. Et nous voulons palper ce Dieu-là, dire réellement, dès ce moment-là, tu as changé ma vie. Dès ce moment-là, tu nous as bénis. Dès ce moment-là, tu étais avec nous. Oh Dieu, où irions-nous encore? Que ferions-nous encore sans toi? Père, écoute les cris de tes enfants. Écoute les cris de leur cœur. Et réponds à chaque désir. Réponds, Père, à chaque requête. Tu
Tu as dit que nous ne pouvons pas venir ici et sortir comme nous étions venus, Père. Oh Dieu, viens te manifester. Toi, Elohim, Père, chaque fois que tu manifestes ta présence, tes enfants reçoivent la solution. Et tu es le Dieu qui ne raccommode rien. Tu as créé une Sarah toute neuve. Oh Dieu, crée, Père éternel Dieu. Crée les emplois ici. Crée tout ce qui est brisé, Père. Nous ne voulons pas que tu raccommodes, mais nous voulons que tu crées de nouvelles personnes. Que tu crées des personnes avec succès. Que quand le monde regarde, qu'ils disent réellement, ces gens-là ont Dieu. Que nos voisins regardent, qu'ils disent réellement, ces gens-là ont Dieu. Et nous les croyons. Si notre foi est moindre, William Branham a dit que toute la foi qui était en lui, il l'a déversée dans l'église. Utilise sa foi ce matin et répond à toute prière. Père, voilà, nous sommes à la fin de la réunion. Tes enfants vont sortir, mais tu as promis que ton ange marchera au devant de nous. Et que partout où nous poserons nos plantes de pied, toi tu nous donneras possession de cela. Oh Dieu, voilà la semaine devant nous. Partout où nous poserons nos plantes de pied, partout où nous toucherons, Père, toi Dieu, donne-nous possession de cela. Et laisse que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine de témoignage. Que tout ce que nous avons écouté ici devienne une vie en nous, Père. Que cela ne soit pas seulement des citations interprétées, mais nous avons besoin que cela devienne nous. Que la citation devienne nous. Que nous vivons cette citation, Père. Et que tu te manifestes encore une fois. Bénis le pasteur de l'église, Père. Tu connais combien il a dépensé de l'énergie. Toi, tu es le Dieu qui rembourse au centuple, Père. Rembourse cela, Père éternel. Et bénis sa famille. Fais qu'il ne manque toujours de rien. Car tu as dit, si le pasteur est content et que l'église est content, toi, Dieu au ciel, tu es content. Encore une fois, sois, Père éternel, Dieu bien-aimé, son appui. Nous te disons gloire, honneur et grâce à toi, Père. Fais cela pour ta gloire. C'est cela notre prière dans le nom qui n'a jamais failli. Le nom qui ne connaît pas d'échec. Le nom de ton Fils est unique. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Kolo apambola bino mingi. Je crois que je ne suis pas visiteur dans cette église. Parce que ça c'est ma maison. La plupart de vous me connaissent. Je réponds au nom de Daniel Kayumbi. Je suis l'associé du pasteur Grâce. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Père? Voilà, donc... Il y a le pasteur Jean le Divin qui on m'a fait signe qu'il a demandé un service. Jean le Divin a singi et le komoko a kosala. Il a dit que je puisse prier pour lui, l'imposer les mains pour qu'il parte au champ missionnaire. C'est où? Pas Congo. Hein? À Boma. Na mama ema boko a kenele langa bopala na tsisango kuna na Boma. Alors il a senti, il est le pasteur de, du tabernacle du Saint-Esprit. Azali Mokengeli, Yamongomba Molimo Santo.
Alors, vous savez qu'il nous avait choisi pour être son ancien. Comme ça qu'il a laissé son église aujourd'hui, il est venu. Il m'a dit qu'il a voulu que ça se fasse comme ça, devant tout le monde. Ça va? C'est lui qui demandera, on fera comment? Alors avance, on va prier pour vous, vous allez vous agenouiller là-bas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, nous t'apprécions ce matin pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Voilà que tu viens de nous donner la grâce de pouvoir recevoir le pasteur Jean le Divin. Il est venu pour que nous puissions imposer la main afin qu'il puisse aller avec plus d'onction dans le champ missionnaire du côté de Boma. Père, donne-lui tous les atouts possibles, que l'ange soit avec lui. Frère Madame nous a enseigné que les champs missionnaires gagnaient les âmes, ça a été toujours la volonté parfaite de Dieu. Alors laisse que toutes les flèches de l'ennemi qui seront fixées ou tournées vers lui, que cela soit nul et sans effet. Que la bénédiction de l'Éternel puisse l'accompagner. Quand il va partir, prends soin de son église. Qu'il retourne et qu'il trouve son église en parfaite santé spirituelle, physique ainsi que matérielle, Père. Mon Dieu, mon roi, lorsqu'il sera de retour, nous n'oublierons pas de te dire merci. En tant que son ancien, je l'ai béni et mettant plus d'onction sur lui, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, accorde le Père bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Zambé, acclamons un peu pour lui et pour l'encourager. Le révérend, il est où? Ah, vous êtes là. Lui, c'est, vous le connaissez, il vous a toujours prêché ici. L'un de mes moteurs favoris. Alors, nous, est-ce que vous saluez tous ceux qui nous ont suivis sur Internet? Acclamons un peu très fort pour qu'ils sentent que nous les apprécions. Nous sommes contents du fait qu'ils sont toujours présents sur Internet. C'est un autre sublime qui est invisible. Et je crois que Dieu nous bénit ensemble avec eux de la même manière. Alors, les hommes de Dieu vont passer, les honorables, pendant que nous allons prier.